tête à moitié voilée, cette dame qui se nomme Kavira, 56 ans révolue, a été arrêtée avec trois cartes d'électeur congolaises et une carte d'identité ougandaise, toutes ses pièces, avec sa photo, mais des noms différents. Plusieurs couteaux, dont les poignards militaires, ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener aux rebelles ADF, a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Ituri, la dame avoue avoir intégré les ADF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumbere, son gérant, qui l'héberge d'ailleurs en ville de Bounia, explique le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. La femme, donc, vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADEF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bounia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Maïdi. Le lieutenant général Louboyan Kacha Madjoni rassure que les réseaux criminels des ADEF seront démantelés. Et je demande par la même occasion à la population, il faut savoir dénoncer. Dénoncer. Bon, mon maman, il faut que je ne sois pas là. Voilà. 23 ans dans les ADEF. 23 ans. La population salue le travail abattu par les services de sécurité et des forces de défense. Les enquêtes se poursuivent, a dit l'autorité provinciale. Entre-temps, la dame et son gérant sont mis à la disposition de la justice militaire.